Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome d'Auteuil, hein, ce mardi à 12 septembre, comme mardi dernier d'ailleurs, avec la jeune génération en piste, hein, dans la première course du programme de cette première réunion, le prix Alain et Gilles de Goulaine. C'est un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et pouliches de 4 ans. Une distance assez classique, hein, qui nous est proposée 3600 mètres sur les haies. On a fait le plein de partants, 16 concurrents qui seront en piste dans cette listed race, hein. Une listed race qui est bien composée. Départ prévu à 13h50, comme vous le voyez maintenant. La course est plus ouverte qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de rentrées. C'est vrai que après un été qui a vu certains concurrents se reposer, il y a des petites rentrées, des grosses rentrées, du coup, voilà, et puis des nouveaux venus dans cette catégorie. Du coup, ça nous donne un lot qui est assez spécial et assez difficile à déchiffrer. On va essayer d'y voir plus clair. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Vision du Re, pardon. Un cheval qui vient d'effectuer une très belle rentrée, hein. Il a remporté la course qu'il a disputée, je crois que c'était sur l'hippodrome de Dieppe, après plusieurs mois d'absence. Il revient dans cette catégorie. Il avait tenté sa chance, hein, dans cette catégorie il y a quelques mois de cela. C'était en fin de saison dernière. Il était tombé, mais il était joué et il n'avait pas été très chanceux. Du coup, je pense que cette tentative est à effacer. Vu le style de sa rentrée victorieuse, je pense qu'il va afficher des progrès. Et pour son retour dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de réaliser une très très grande performance et pourquoi pas même de s'imposer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Maxime Mamix Passion. C'est un concurrent qui a un profil de carrière assez spécial, hein. Il a été, dès le début de sa carrière, orienté à réclamer. Il a remporté ses deux premières courses à réclamer. Voilà, vous l'avez vu, après, il est tombé. Bon, cette année, il a été orienté dans les handicaps avec une réussite, hein. On a une ou deux courses références. Regardez, un quintet, hein, notamment, où il était troisième derrière Romarius. Il courait très très bien ce jour-là. Donc voilà, l'aptitude au parcours, non, c'était à Clairefontaine, pardon, pas l'aptitude au parcours, l'aptitude à la catégorie et à la valeur, il l'a. Il a également l'aptitude au parcours. Regardez cette compétition, le prix Daniel Lescal, où il battait le roi David Escampalo. Voilà, je crois que c'était d'ailleurs sur ce parcours. Donc vraiment, pour le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est non seulement compétitif à ce poids, mais également sur ce parcours. Pour moi, c'est une très bonne base. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Faut également noter que c'est un cheval qui a couru par rapport à d'autres rivaux qui n'ont pas encore couru, un petit peu comme le numéro 4, Vision du Re. C'est pour ça que j'ai décidé de le retenir aussi haut dans ma sélection. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Courtesy Call. Alors, Courtesy Call, c'est un débutant dans cette catégorie. Regardez cette musique. Il est impressionnant cette année. Il a été orienté en obstacle cet hiver. Il y a rapidement montré des qualités, hein. Il n'a jamais déçu. Il a toujours terminé sur le podium. Alors, il a remporté sa course à condition en haie. Derrière, son entraîneur a décidé d'orienter en steeple. Il a également remporté sa course à condition en steeple. Voilà, c'était fin mai. Du coup, là, il n'a plus trop le choix, hein. Son entraîneur, c'est soit tenter sa chance à un niveau bien plus supérieur, soit l'orienter dans les handicaps. Il a choisi la deuxième solution. Il associe à Bertrand Lestrade. Alors certes, il n'a pas couru depuis un peu plus de 3 mois et demi, mais c'est un concurrent qui a l'air d'avoir tellement de moyens. Il a l'air d'être, elle, pardon, c'est une jument, une pouliche. Elle a l'air d'être prise à une valeur qui est quand même assez intéressante. Pour moi, si elle a suffisamment de travail, elle est capable de finir sur le podium. En tout cas, c'est une concurrente qui, vu ce qu'elle a montré depuis le début de l'année, il faut s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, J'ai la cote. Un cheval qui a couru déjà plusieurs fois dans cette catégorie, avec plus ou moins de réussite, mais sa dernière sortie a vraiment rassuré, hein. C'était à Clairefontaine, regardez, c'était le 21 août, il y a 3 semaines de cela environ. Et c'est vrai que non seulement il montrait qu'il était compétitif à ce poids, ce qu'il avait déjà réalisé par le passé, mais également qu'il était en bonne forme. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, plusieurs concurrents font leur rentrée. Lui, c'est pas le cas. En plus, il retrouve Théo Chauvillard, qui a déjà eu l'occasion de lui être associé par le passé, même si ça s'est pas forcément très bien passé. Toujours est-il que c'est un concurrent qui a déjà bien fait à ce niveau-là. Regardez, le prix général de Rougemont, battu par le roi David. En tout cas, il faisait l'arrivée d'un quintet sur ce parcours, et c'est vraiment une bonne chose. C'est un signe assez évident de qualité. Toujours est-il que, pour moi, pour la victoire, ça va être difficile, mais avec le port des œillères qui a l'air de lui faire le plus grand bien, je pense qu'il est capable de prendre une place dans cette compétition.
Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le roi David. Une petite rentrée pour le roi David. Hein. On l'a pas revu depuis sa tentative de juin. Voilà, c'était ici, hein, derrière Mamix Passion. Il courait très bien, le roi David. Regardez son profil. C'est vrai que lui aussi, je crois qu'il est passé par la case réclamée. En tout cas, c'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie. D'ailleurs, il a remporté son handicap l'avant-dernière fois. Derrière, il a prouvé qu'il disposait d'encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Moi, j'aime bien son profil. Alors, peut-être que, il peut être un petit peu juste vu qu'on ne l'a pas revu depuis 2 mois et demi. Mais attention, je trouve qu'il a vraiment une position encore avantageuse sur l'échelle des poids. Même si pour la victoire, ça semble difficile, pour une 3, 4, 5e place, à mon avis, on est obligé de le garder. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 7, Haïti du Berlay. C'est peut-être le petit outsider. Je ne sais pas, je pense que ça va être une course avec des cotes qui vont être assez proches les unes des autres parce que justement c'est ouvert, mais Haïti du Berlay, c'est une pouliche qui a quand même été jugée digne de courir le prix Wild Monarch lors de ses débuts. Elle n'a pu faire mieux que sixième, mais débuter listed, c'est certainement qu'on en attendait une bonne performance et qu'on l'estimait surtout au sein de l'écurie de Yannick Foin. Derrière, elle a quand même réalisé des performances intéressantes. Alors, elle reste sur 2 victoires en province. À Vissembourg, je crois, et derrière, elle a remporté un handicap sur l'hippodrome de Vittel. Elle monte un peu de catégorie, mais j'ai envie de croire qu'elle a encore de la marge. Son entraîneur a pris son temps avec elle, même si elle a déjà couru à 2, 3 reprises sur l'hippodrome d'Auteuil. Et je pense que le fait d'être également en forme avancée par rapport à d'autres concurrents qui font leur rentrée, ça va jouer en sa faveur. Et pour moi, c'est une concurrente qu'il faut vraiment retenir dans un ticket. Alors je la retiens seulement sixième parce qu'il faut faire des choix et qu'elle monte un peu de catégorie, mais elle fait logiquement partie des concurrents et concurrentes qui peuvent lutter pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3 Edwina. Alors Edwina, vous voyez sa musique, ça fait pas rêver. C'est vrai que cette année, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part une 3e place en plat. D'ailleurs, les 2 courses qu'elle a courues en obstacle, ça s'est pas forcément bien passé. Cela dit, c'était des très bons lots, hein. Elle a couru groupe, notamment. C'est une concurrente entraînée par Jean-Philippe Dubois qui avait montré de la qualité. Vous le voyez déjà à sa musique l'an passé. Elle avait montré qu'elle était capable de bien faire sur les balais. Elle a été orientée en plat cette année, courant d'ailleurs des épreuves support de quintet. Ça s'est pas si mal passé que ça, elle n'a pas non plus été transcendante. Là, on remet une couche sur les balais, on fait appel à James Rabelais. Bon, elle porte 70 kilos, mais le fait d'avoir James Rabelais de son côté, je pense vraiment que c'est un indicateur quand même de confiance et de méfiance surtout. C'est pour ça que je l'ai retenue. Je la retiens seulement en 7e position, mais attention, James Rabelais en plus qui est en forme, il l'a prouvé ce dimanche en s'imposant du côté, je sais plus où il s'est posé, il avait une réunion PMU en obstacle et j'ai vu James Rabelais gagner. Toujours est-il que Edwina, pour moi, c'est plutôt pour une place. Ensuite, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Roi Câlin. Roi Câlin qui a fait l'arrivée d'une des courses références, c'était ici. Il battait notamment J'ai la cote. La ligne est bonne. C'était déjà, je crois, sur ce parcours, hein, le prix Le Gouallès de Mézobran. Un cheval qui a l'air d'avoir une certaine marge de progression. Rien à ajouter. C'est un cheval qui a vraiment retrouvé la bonne carburation. J'ai envie de revoir ses performances. Je ne sais pas s'il fait une rentrée lui aussi, ou s'il a couru cet été, mais c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. Ouais, il fait sa rentrée depuis le 20 mai, c'est pour ça que je le retiens en si loin. Je savais qu'il y avait quelque chose, parce que regardez, c'était une belle course. Handicap divisé, une listed race, c'était vraiment une course du même acabit à peu près, le battait J'ai la cote, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que sur la foi de cette sortie, il a une belle carte à jouer maintenant, l'absence de 3 mois et demi. Pour moi, ça peut être légèrement rédhibitoire, c'est pour ça que je le retiens seulement en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Jokera d'Angilbert, qui vient de s'imposer. C'est une course référence sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors voilà, la forme est là. Maintenant, c'était un handicap. C'est un concurrent qui a été pénalisé suite à ce succès. Je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Faut voir, c'est des poulains de 4 ans qui progressent constamment. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a des concurrents qui font leur rentrée, comme l'As Jingle Denuo, comme le numéro 14, Yengar de Paille. C'est des longues rentrées. C'est vrai que on ne sait pas trop à quel saint se vouer. Lui, il aura pour lui d'être en forme ce numéro 2, Jean Kera d'Angilbert. Ça peut suffire pour prendre une petite place, mais pour moi, ce sera surtout un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Vision d'Heureux, que j'ai retenu devant le 5, Mamix Passion. Ensuite, en 3e position, le numéro 6, Cours des Écoles, devant le numéro 9, J'ai la côte. Ensuite, le 8, le Roi David en 5e position devant le 7, Haïti du Berlay. Le 3, Edwina. Et enfin, en 8e position, le numéro 12, Roi Câlin. En cas de non partant, pardon, le numéro 2, Jokera dans Gilbert.
En conseil de jeu, bah pour moi, Vision d'Euro, c'est vraiment une très très belle chance, une très belle base à mon sens. Le 5, Mamix Passion, pareil, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau-là. Et puis le 6, Courtesy Cole, malgré une absence de plusieurs semaines, je pense qu'elle est capable de réaliser un retour en piste foudroyant, même si ce sont ses premiers pas dans cette catégorie. Donc 4, 5, 6, mes trois préférés. Un petit tour du côté du Qatar Prix Carus qui n'était pas forcément évident à dénicher. Hein. Le 13 Bevan qui adore ce parcours et qui s'impose dans ce quintet devant le 11 The Lorraine qui n'était pas attendu à pareille fête. Le numéro 9 Moneyman, l'un des favoris logique. Et puis le 2 Katusha qui n'était pas attendu également à pareille fête et qui termine quatrième devant le numéro 16 Pump Pump Junior qui court très bien après avoir fait la course en tête du côté de nos deux rubriques. Plusieurs trios qui vous sont indiqués par nos deux rubriques. Hein, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Si vous voulez tester nos deux rubriques, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive au sein du descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer également sur ce lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera le GNT du côté d'Angers. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.